Et comme je disais, vous verrez les nouvelles Bibles qui vont sortir. Vous ne trouverez pratiquement plus les termes comme repentance, d'accord? Donc comme dans la NBS, donc c'est remplacé par changement radical. Mais quand on dit changement radical, donc ça veut rien dire. Hein? Quand on dit changement radical, je prends un exemple. Et changement radical, quelqu'un qui est noir peut dire, je décide de devenir complètement blanc. J'éclaircis ma peau. Hein, comme Michael Jackson, et c'est un changement radical. Donc il n'y a plus la notion du bien et du mal. Comme subir une opération chirurgicale pour devenir homme ou femme et avec une nouvelle identité, c'est un changement radical. Mettre en avant l'attitude de piété Donc de ça certaines exclut personnes. totalement la notion de la piété. Hein, du regret, hein, de la tristesse C'est ça. produite par la conviction par l'esprit de Dieu qui produit en nous la conviction du péché. Vous Le voyez, fruit de la frère, il repentance. y a voilà, donc en fait c'est voilà donc frères et sœurs, c'est quand même très très grave. Nous sommes dans un temps vraiment critique et je vous le dis et comme vous le savez, donc c'est pas évident prendre position pour la vérité. Et nous plonge donc totalement dans cette lutte hein, dans cette lutte contre bien sûr les institutions purement religieuses et babyloniennes et voilà donc et c'est terrible donc remplacer la repentance par changement radical c'est une insulte. C'est une insulte. Donc je crois qu'on va faire aussi des émissions là-dessus et pour expliquer hein, les termes grecs, hébreux et tout ça, et que des théologiens d'aujourd'hui, beaucoup, pas tous, hein, mais des théologiens d'aujourd'hui changent de plus en plus. Voilà, la repentance devient changement radical. Mais ça ne veut rien dire, changement radical. Le mot repentance, même dans le dictionnaire Larousse, mes amis, l'ancien dictionnaire Larousse, c'est bien spécifié que c'est le regret, n'est-ce pas de ses fautes, hein, le regret lié à la, à, au, comment dire, à la tristesse, et c'est le regret, regretter ses fautes, la tristesse parle à cause de ses fautes, de ses péchés. Donc voyez, donc quand on dit changement radical, bon, voilà, je peux dire bon là j'ai changé radicalement là cette fois-ci là, alors que c'est pas forcément par rapport à un péché. Voilà, le mot repentance, ça a vraiment la notion du péché. Hein, du regret par rapport à ses péchés, n'est-ce pas? Donc, et dans la racine même du mot repentance, c'est nous, hein, nous, c'est l'esprit, hein, donc l'esprit. Et voilà, donc c'est notre esprit est complètement régénéré. La repentance, c'est le fait, c'est pas seulement un changement d'opinion ou d'avis. Donc, c'est d'abord le changement d'avis, d'accord? On change d'avis. Je prends un exemple. Et Philippe, par exemple, ne croyait pas que Dieu existait. Ou ne croyait pas que Dieu est amour. Hein? Pardon, tu peux avoir cette position-là. Oui, je ne crois pas que Dieu soit amour. Que Dieu est amour. Je ne crois pas. Donc ça, ensuite, Dieu te convainc. Et là, tu changes d'avis. Et tu commences à dire, oui, Dieu est amour. D'accord? Ça, c'est le changement d'avis. Changement d'opinion sur Dieu. Ensuite, la repentance, ce n'est pas seulement le changement d'avis, c'est aussi le changement de comportement. Je change d'avis et je change aussi de comportement. Mais le problème, c'est que le changement de comportement est produit par l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc, je change d'avis sur Dieu, je change de comportement parce que Dieu produit cela en moi, le produit en moi, par son Esprit. Et donc, je regrette mon attitude d'avant. Donc je peux même pleurer à cause de cela. Ensuite, je ne m'arrête pas, je ne reste pas sur le regret, sur la tristesse. Donc dans la repentance, métanoïa en grec, il y a la notion, n'est-ce pas, de l'avenir, de la, je change pour aller pour aller de l'avant. D'accord? Donc il y a la notion de la confession, de la conversion aussi. D'accord? Et tout ça. Et aujourd'hui, on le remplace, ce mot-là, par changement radical. Oui,
il est important de vraiment rajouter aussi que cette repentance, c'est vraiment vis-à-vis de Dieu. Parce que beaucoup de personnes, effectivement, se disent « j'ai mal agi », mais c'est vis-à-vis d'elle-même. Donc, ça se tourne sur la personne elle-même. Mmh. Elle dit « ah, moi, je veux... Non, ça, j'ai constaté que c'était pas bien. Je change. » Parce que c'est vis-à-vis des hommes qu'on veut changer. Mais la repentance, le mot repentance, vraiment s'assimile au Seigneur. C'est auprès du Seigneur, vraiment, qu'il faut aller se repentir. D'où aussi certains chrétiens, effectivement, confondent un peu en disant « bon, moi, j'ai changé ma vie, effectivement, parce que ça n'allait pas. Et puis, j'ai constaté que, voilà, c'était pas bien ce que je faisais. » Mais est-ce qu'on a présenté ça devant Dieu? Parce que c'est ça que le Seigneur aussi attend, c'est qu'on se repente devant lui. Et non pas devant les hommes, mais d'abord d'aller vraiment au pied du Père, de lui demander d'abord à lui pardon. Parce que lorsqu'on pêche, c'est contre Dieu. On ne pêche pas contre soi-même ou contre les hommes, c'est contre Dieu. Donc, ça on peut aussi pêcher contre les hommes, c'est vrai. On peut se repentir auprès des frères et sœurs. Oui, parce qu'on les a demander tristés, pardon, effectivement. Mais c'est d'abord... Mais d'abord Dieu, d'abord se repentir, d'avoir cette notion que lorsqu'on pêche, on pêche contre Dieu. Donc, effectivement. Voilà. Et puis le Seigneur, après, nous met à cœur d'aller se repentir... auprès des frères et sœurs, si on les a bien sûr attristés. Donc tout à fait. Alors on veut beaucoup dans la quand ils font la révision, c'est notamment ce comité. Hein, donc il y en a partout hein, en France, aux États-Unis partout. Et ils veulent tellement rendre fluides les Écritures qu'ils n'est-ce pas les dépouillent, comme je disais, hein, de leur essence même. Donc, donc les termes sont, des mots sont allégés. Donc, et c'est terrible. Et ces mots perdent complètement leur sens, parfois même leur sens étymologique. Simplifié. Donc, ils simplifient. Okay. Hein, donc, du coup, la Bible devient simpliste et tout ça. Et puis, et c'est quand même, je crois que même si certaines personnes, même si les hommes n'arrivent pas à comprendre certains termes bibliques, bah, si on veut la vérité, si on a faim, on fait des recherches. Bien sûr. Voilà. Donc ça doit les pousser à faire des recherches et pour se former, pour se renseigner, pour voilà. Donc et c'est important.